Nous sommes à Shirley, aux États-Unis, le 21 mai dernier, vers minuit. Les caméras de surveillance d'une petite épicerie filment un braquage. Un homme masqué entre dans le magasin, une batte de baseball à la main. Il demande au vendeur le contenu de la caisse, mais ce dernier sort soudain un fusil et le voleur se met alors à genoux. Il m'a supplié, je suis désolé, je n'ai pas d'argent, pas de travail, ma famille a faim depuis des semaines. Mohamed, n'écoutant que son bon cœur, donne alors au braqueur affamé une miche de pain et 40 dollars. J'essaie d'aider les gens, je donne chaque nuit 2 paquets de chips à des pauvres. J'aime aider les autres. Mohamed a ajouté qu'il ne souhaitait pas porter plainte.